Not a doubt that big say. 10 ans, ti? Oh, mais de Dieu, c'est 10 ans. 10 ans, carbistoulo. À faire ce baba sous splash. J'avais dans la ça se fait, hein. Ça se fait, mais enfin, quand même. Oh, ça fait drôle, c'est... Ah, ouais. Ça commence bien, hein. C'est mère. Il y a mère qui est là. C'est une belle. Maman, tu as dit... Je vais payer ma place. Non, c'est bon, maman. Non, je vais payer. Ah, c'est bien, je veux... Ah, mais tu les dépenses pas, hein. Tu sais, mis toute l'année, je suis là, tu sais. Oui, tout à fait, mais bien sûr. Mais, mais vous en êtes un autre. Puis là, d'un seul coup, ça fait du bien, tu sais. Oh, ben du juice. Oh, tu sais, monsieur, évidemment, depuis que j'ai été décentralisé à le Capitole, je parle comme ça, tu vois. Voilà, je parle comme ça, mais heureusement, parfois, ça dérape. Tu sais, là, je dis oui, tout à fait. Oui, bien. Écoutez, je vous appelle, hein. Je vous appelle et je vous dis quoi. Ça revient, naturellement. Oh, flûte. Zut, j'ai tout renversé. Vite, va qu'il arrive à ça. Oh, monsieur le ministre. Attention, monsieur le ministre. Armand Tottenberg. Après, je suis obligé d'expliquer, c'est plus difficile. Hein. Mère, elle m'a dit, tu sais. Mère, elle m'a dit. Ah, enfin, tu reparles normalement, Thio. Ah, tu fais putain fier, là, avec ton accent périgot, t'as tête de veau. Heureusement, t'as mieux, hein, sinon, c'est trop de claque d'adif. Hein. Ah, tu la connais, celle-là. T'as goûté quand t'es au chaud, hein. Ben, ça peut retomber, hein. Ah, claque d'adif gamelle, ça va y aller, hein. Attention, l'élastique qui est dit. Ah, n'oublie jamais tes racines, Tio. Ah, n'oublie jamais, rappelle-toi toute une vie. T'es d'Armentières pauvre et fier. Ouais, man. Ah, tu sais, ça me manque, Schnorr. Oh là là. Puis, ben, comme ma mère, elle vient à Paris, tu sais. Là, je suis obligé de dire aux Parisiens d'apprendre à parler ch'ti pour pas qu'ils prennent des claques dans leur gif, tu sais. Ah ouais, je dis, hein, attention, il y a une mère qui arrive. Donc, hein, attention, hein, on dit pas... Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. Hein, on dit, hein. Et en plus... Sur le plan grammatical, c'est plus simple, hein. On dit pas non plus, si tu ne comprends pas ce que ma mère, elle te dit, tu dis pas, voulez-vous bien répéter, s'il vous plaît. J'ai dit, coucou de bof, tu. Ah, je n'ai qu'à dire, sinon ça va y aller, puis ça fait du mot, hein. Ah, donc, ouais, ça, depuis que je suis donc à le Capitole, tu es décentralisé, là, ça me manque, Schnorr. Hein. Oh, ça me manque, tu sais, par exemple, les grandes coutumes de Schnorr. Tu sais, qu'à te le dimanche, devant ce baraque à briques rouges, à la vos carrettes. Tu sais, puis qu'après, on amène le tuyau d'arrosage, comme ça, c'est puis, oh, trop court. C'est pas grave, y'a le sodio. Allez, hein. Hein, on n'a jamais l'idée de rapprocher le carré. Et puis qu'après qu'il y a des taux habillés un dimanche, hein, justement, ça tombe bien, c'est dimanche. Et qu'on est dans ce carré tout propre, là, au volant, comme ça, à faire ça fier. Bah, enfin bon, à quoi ça sert de s'habiller un dimanche? Et d'aller rouler dans ce carré toute propre, si c'est pour qu'au premier feu rouge, ça mette ses doigts dans sa nez. Hein? Et vas-y, allez! On sent tous les feux rouges, hein? Pas que dans Schnorr, hein? Dans le monde entier. Dès qu'il y a un feu rouge, le conducteur, et vas-y, allez! Le carreau, il est transparent, hein? Ou là, faut mettre un petit rideau comme ça. Enfin bon, ça, il y a des trucs qui me manquent, tu sais, des trucs qui me manquent de Schnorr tout simple. Genre. Les frites de le baraque à frites. Ah, ça, hein? Les frites de le baraque à frites, hein? Et ça, il y a ça nulle part, hein? Il y a que d'un Schnorr.
parce que j'essaie d'expliquer pour qu'il y en ait qui arrivent ailleurs que Dashner, mais ça marche pas, j'arrive pas à expliquer, les gens ils comprennent pas. Pourtant j'explique bien, c'est une caravane qui fait des frites. Elle me croit pas, je dis mais si, le gars il achète, enfin il y a quatre une caravane, il y a une caravane comme ça, et puis après il va avec une scie sauteuse d'altol ondulé, du côté où il n'y a pas de fenêtre. Et puis après, il plie le tôle ondulé comme ça. Comme ça, ça fait un toit qui abrite les clients quand ça drache. Puis il y a un dans ce caravane et il fait des frites. Eh ben, personne n'y me croit. Ouais. C'est comme quand je suis au restaurant, j'ai le nostalgie, et je dis, oh, je sais pas dans le menu, mais je veux bien des chicots gratins. Il y en a pas? Ça n'existe pas? Bah non, bah c'est pas grave. Hein. Mets-moi des carbonates. Y'a pas non plus? Bon bah une frite fricadelle. Hein. Alors là, la fricadelle, là, c'est le truc. Ça, t'es trop fakichi, hein. Alors, la fricadelle, y'a vos knous pour accepter de bouffer des saucisses cachées dans ce cadre. C'est vrai. Hum, c'est beau, hein. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est non, mais c'est bon! Ben ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, Schnorr. Hein. C'est. Comment que je vais dire? C'est le saleur humaine aussi, tu sais. Ah! Oh. Oh, le saleur humaine des ch'tis de Schnorr. Ça, c'est un truc que nulle part ailleurs, tu sais. C'est comme ici, quand t'as né. Quand tu te balades dans la rue, comme ça. Tu sais, t'es là. Tu dis, hop, oh, je suis la rue à Tchoubilout, là. Tu dis, oh ouais, tiens. Puis tu as ce baraque, et tout ça, puis tu rentres dans ce baraque et tout. Le portier ouvert. Hein? Tu es là, Tchoubilout? Hein? Puis dis, ouais, qu'est-ce que c'est, j'ai qui? J'ai mis, c'est Tchoubilout. On dit, bah, t'as va boire une pinte. Oh, ça fait plaisir de te dire. Tu vois, puis tu bois une pinte et tout ça, t'es fabénoche. Bon, tandis que à Paris, tu. Quand tu vas chez quelqu'un que tu connais, déjà, mais il y a 10 ans, je me suis fait un ami et je viens de me fâcher avec. Bah ouais, parce que j'étais dans la rue, tu sais. Puis je dis, oh, je vais aller faire une petite baisse. Hein? Puis déjà, bah, je monte chez lui. Enfin, j'essaie de monter chez lui. Il y a deux interphones pour Digicode. Pire qu'à la banque. J'arrive devant Sport comme ça, je frappe, Nouveau Sport. Enfin, Nouveau Sport. T'entends, schlac, 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 schlac. Nouveau Sport, il me regarde comme ça avec des yeux de Merlin frit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oh, ferme de bouc, t'as des vacardins. J'ai tôt d'intrus. J'ai tôt d'intrus, je me suis dit, je vais aller faire une petite baisse, hein. Une baisse? Ah non, chez Dashner, c'est un bisou, quoi. Hein? Comment que ça va? Mais faut téléphoner avant de venir. Faut téléphoner avant d'aller, tu sais. Alors que Dashner, c'est l'inverse. Un téléphone après qu'elle est passée. Au revoir, hein. Au revoir, ça m'a fait plaisir. Merci pour le pâte, hein. Au revoir, ouais. Ouais, je fais attention sur la route. Ouais, je téléphone en rentrant. Ouais, d'accord, ouais. Je laisserai sonner deux coups, comme ça tu sens que c'est mis. Hein? Te décroche pas, hein. Pas comme la dernière fois, te décroche pas, hein. Deux coups, je laisse sonner deux coups, ouais. Deux coups, et je raccroche et te sens que c'est mis, hein, d'accord. Merci pour le pâte, hein. Deux coups, hein. Au revoir, hein. Au revoir. Puis à tous les coups, tu sais, ouais, allô. Mais pourquoi te décroche, c'est mis? Oh, excuse. Oh. Tu veux que je raccroche et que te rappelle? Mais non, c'est bon, là, je suis chez mis, hein. Oh! Ah bah ouais! Mais pourquoi que t'as laissé sonner qu'un coup? Mais c'était qu'un décroché, boubourg, c'est! Ah ouais? Excuse. Oh, tu sais, j'ai une petite ailleurs, là. Je suis en train de siroter un picombière. Oh, t'as du picombière? Ouais, je l'ai retrouvé dans le freezer. Bouge pas, j'y reviens! Non,
D'accord, je t'attends, bah, quand tu téléphones, quand t'arrives, je décrocherai pas, hein. Mais je serai chez qui, baboche? Oh, ben ouais, oh, c'est que ça. Ah, voilà, c'est ça, chaleur humaine qui... À Paris, c'est des drôles, quoi. C'est des drôles, non, c'est vrai, c'est des drôles, hein. Mais quand je suis arrivé à Paris, toujours, ça m'a fait drôle, quoi. T'es dans la rue, t'es content, tu sais, tu dis bonjour à quelqu'un, bonjour. Je suis comme ça, direct, t'as dit connard, tu sais. C'est drôle, quoi, quand tu demandes de l'heure et tout, tu sais, tu fais, direct, elle va voler ce monte. Puis tu rentres dans un taxi, première fois que je suis rentré dans un taxi à Paris, tu sais, je dis bonjour. Vous allez où? D'où que tu veux. Vas-y, roule, roule. Non, ben, je venais te déranger, hein, vas-y. Ah non, ben si je fais une route, si je reconnais quelque chose, je descends droit, hein, mais t'arrêtes pas, je vais sauter la route, hein, pour pas trop te déranger. C'est comme ça, pareil, c'est comme les commerçants, il y a 10 ans, à 10 ans, j'ai jamais vu un commerçant parisien sourire, jamais. On n'est même pas sûr que je suis en dédain. J'ai des drôles, quoi, hein. J'ai des drôles, hein. Alors que Schnorr, un truc qui m'attise. L'humanité de Schnorr, tu sais, quand j'ai des amis artistes et tout que je connais, qui me disent « Oh, je suis allé jouer dans ta région, tu sais ». Enfin, ils parlent pas comme ça, mais... pour comme mère, même pas de claque date gif. Alors, tu sais, ils disent « Je suis allé jouer dans ta région, tu sais, j'ai jamais vu un public comme ça, c'est des gens... J'ai même mis, je suis fier, c'est comme si qu'ils étaient venus vous voir un spectacle. C'est vrai, je suis fier. Et ça, ça, il faut garder, ça. L'humanité, tu de Schnorr, c'est un truc qu'à nulle part ailleurs et il faut garder, tu sais. Alors que, bon, les gens qui sont jamais venus d'un Schnorr, ils sont là et je dis, tu sais, ils disent que je suis d'un Schnorr, c'est, oh, tu es du Nord. Les corons, le chômage, Enrico Macias. Je dis, ouais, y a pas que ça. Il croit que j'ai le pôle Nord ici, tu sais. Il dit, ah, je remonte d'un Schnorr. Tu ne prends pas de pull, là. Il dit, maintenant, c'est juin. Tu sais, il croit que c'est le pôle Nord, tu sais, qu'un vide à des igloos. Que pour aller à Alpec, a fait des trous dans le gloss. C'est vrai, hein. Oh, puis du coup, mais maintenant, je dis, tu sais, maintenant, j'y vais à fond, tu sais. Je dis, ouais, ben, je remonte d'un Schnorr, là. Bah, d'ailleurs, je vais à un traîneau avec deux quins. J'espère que ma niglou y a pas fondu, hein, avec le printemps. Je dis comme ça, tu sais. Hein. Puis, quand je fais visiter, tu à des gens qui sont pas de Schnorr, je fais visiter ma coin et tout, tu sais, tu vois, là, je suis à mentir, je sais là que je suis né et tout, d'où que je suis né. Là, c'est ma rue, ma coron, comme ça. Genre, il faut. Tu vivais là. Bah, je dis, bah ouais, c'est bio. Mais je trouve ça bio, hein. Oui, oui, enfin bon. Enfin, cette jolie cathédrale, là, c'est beau. Mais c'est pas une cathédrale, c'est le beffroi. C'est là que le carillon. Il faut. Oh, Seigneur Dieu, regarde ça. Des romanichelles installées en plein centre-ville. Ah, mais non, c'est ça le baraque à frites. Ah, je m'entends pas, hein. Puis alors, on va le baraque à frites, et puis on a quatre, enfin, je lui offre quatre, une frite fricadelle au picolili. Ah, et elle déguste ça, puis, c'est délicieux, Mais, c'est délicieux cette saucisse, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un secret. D'un Schnorr, tout le monde le sait, personne ne le dit. En tout cas, il y a un truc qui est vrai d'un Schnorr, c'est que quand il y a un étranger qui vient vif, qui est obligé de venir vif un peu d'un Schnorr, il braille deux fois, quand il arrive et quand il repart.